J'ai demandé pourquoi les gens sont forcés de vivre ainsi, et pourquoi il y en a qui sont riches et d'autres pauvres, et pourquoi il y a tant de guerres. Pour trouver les réponses à ces questions, il va falloir remonter bien loin dans le temps, jusqu'au Moyen Âge. Allons voir comment les gens vivaient à cette époque-là. Au XVe siècle, l'Europe ressemblait à peu près à ça. Partout, des petits pays séparés par de vastes forêts. Et les gens ne savaient rien des autres pays, car ils avaient peur d'aller dans les forêts à cause des bêtes sauvages et des mauvais esprits. La vie a l'air tranquille et facile ici, mais ce n'est pas si sûr. Prenons le temps d'y regarder par deux fois. Ici, tout est relié à la terre et à ceux qui la travaillent. Les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'école. Personne ne lit le journal parce qu'il n'y a pas de journaux. Et personne ne travaille à l'usine parce qu'il n'y a pas encore d'usine. Il n'y a que la terre et les paysans qui travaillent dans les champs. Et les artisans au village qui font des charrues, des outils, bâtissent des maisons. Et puis, bien sûr, il y a le seigneur qui vit dans son château. Et le prêtre qui prêche dans l'église. Les paysans et les artisans doivent tout faire. La nourriture, les vêtements, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ils mangent, ils boivent, ils s'habillent et vivent mieux que tous les autres des alentours. Comment est-ce possible? C'est facile, le seigneur et le curé sont propriétaires de toute la terre. Et ils s'enrichissent parce que les paysans et les artisans, qui n'ont pas de terre, eux, sont obligés de payer des impôts et à l'église et au seigneur pour pouvoir vivre et travailler là. Ils ne paient pas en argent, mais avec ce qu'ils ont. Du blé, du lait, des chaussures, des armures, tout ce qu'ils ont. Et il n'y en a pas beaucoup qui osent se révolter. Oh, quel diable emporte tout ça? Ça ne peut plus continuer ainsi. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Remets ce sac sur ton dos. Oh, oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh. Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt, paysan. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire, hein? Grouille! Grouille! Il y a des impôts à payer. Plus vite que ça. Dépêche-toi, plus vite, plus vite. Mais Jean, est-ce que mes yeux me trompent? Tu ne veux plus travailler, mon fils? Ne sais-tu pas que Dieu a mis l'homme sur la terre pour qu'il gagne son pain à la sueur de son front? Si tu ne travailles pas, mon fils, tu vas aller tout droit en enfer. Et là,
tu vas souffrir et tu seras torturé dans les flammes pour toute l'éternité. Allons, mon fils, écoute la volonté de Dieu et fais ton devoir. Il est bien évident que cette société est divisée en classes. D'un côté, il y a les paysans et les artisans qui ne possèdent pas de terre, et de l'autre, le seigneur et le curé à qui tout appartient. Crois-tu qu'il est normal que ceux qui n'ont pas de terre paient des impôts à ceux qui en sont les propriétaires? Suppose, ça a toujours été comme ça, non? Oh, entre nous, hein, nous n'avons peut-être rien, mais nous pourrions drôlement nous passer d'eux, même si toute la terre leur appartenait. Mais eux, qu'est-ce qu'ils feraient sans nous, hein? Mon propre grand-père, c'était un rebelle. L'année avait été très mauvaise. Et nous n'avions plus rien à manger. Et il disait à tout le monde dans le village que nous devrions arrêter de payer des impôts. Eh oui, et où ça nous amenait? Les soldats du Seigneur l'ont pendu haut et court. Et le prêtre a dit qu'il irait en enfer. Mais naturellement qu'il faut qu'il nous paie des impôts. Ce sont nos terres, il ne s'imagine tout de même pas y rester comme ça sans rien nous donner en trop, sale paysan. Cette terre a appartenu à mon propre père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, à la grand-mère de mon arrière-grand-père. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Car à celui qui est riche, il sera donné plus. Et à celui qui est pauvre, il sera pris même ce qu'il a. Et si Dieu ordonne aux pauvres de nous payer des impôts, qu'il en soit fait selon sa volonté. Pour marcher et votre cher. Halt! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Doucement, doucement. Je suis ici pour faire des affaires avec ton maître. Et je viens d'une cité nommée Venise. Très, très, très loin d'ici, tu vois? Je suis un marchand et j'apporte des choses très rares et très belles pour le plaisir de ton seigneur. Oh, marchand! Venise, hein? C'est bon, entre! Et maintenant, regardez bien ce que j'ai à vous offrir. Des vraies merveilles. Voyez, ceci, on appelle ça du poivre. Et c'est très bon pour enlever le mauvais goût du porc de l'année passée. Et ce n'est pas tout. Jetez-moi un coup d'œil là-dessus. Magnifique! On peut voir à travers. Attention, s'il vous plaît, attention, c'est très fragile, c'est du verre. Ou qu'est-ce qu'on pourrait lui donner en échange? Eh bien, nous avons des œufs, du beurre, du miel. Ou peut-être que vous aimeriez mieux quelques-unes des belles choses que nos artisans font au village. Et des épées, peut-être. Ou des tissus en laine, ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Ah, du tissu comme ça, c'est exactement ce qu'ils veulent à Venise. Quel bon marché pour moi. Si, va bien. Alors, disons que je vais prendre 10 rouleaux de ce tissu. C'est très cher, c'est très cher. Mais bon, d'accord. Mais c'est vraiment plutôt cher. Cher? 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 Où pensez-vous que vous allez pouvoir trouver des beaux produits comme ça par ici? Oui, très bien. Alors, voilà votre tissu. Et nous, nous gardons le verre. Regardez-moi ça. Ce gros lard qui paie ses produits de fantaisie qui viennent de Venise avec les tissus qu'il a pris aux gens du village. Et maintenant, fêtons, amusons-nous. Stupides. Quels idiots.
Ils ne pensent qu'à boire et à manger. Ils gaspillent toute leur richesse. Ils ne comprennent rien aux affaires. Ils ne sont pas fins comme moi. Essayons d'en savoir plus long à propos de ce marchand. Personne ne peut passer ici sans payer un droit de passage au seigneur. C'est la loi. Faut payer. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Le marchand peut paraître un peu déplacé ici. Il ne possède pas de terre et il ne travaille pas dans les champs et il ne fabrique rien non plus de ce que font les artisans. Tout ce qu'il fait, le marchand, c'est d'acheter et de vendre. Alors, qu'est-ce que c'est son truc? Je suis marchand de Venise. Une crapule, ça se voit bien. Je sais faire des affaires. J'achète bon marché et je revends cher. Pour un sou, j'achète du poivre et je le revends à 5 sous. Ça fait 4 sous dans ma poche. Et devinez qui le paye. Quand on a trouvé le système, c'est l'argent qui coule à flot. Un peu d'astuce, un peu d'argent, et à moi la belle vie. Venise, une ville au sud de l'Europe, le plus important centre de commerce entre l'Est et l'Ouest. Quand le marchand y revint, il échangea ses rouleaux de tissu contre de l'argent. Cet argent, il l'appelait son capital et il s'en servait pour gagner toujours plus d'argent. Voici comment ça fonctionnait. Avec son capital, il achetait des produits exotiques des marchands arabes. Des épices, de la soie, des choses très rares qui venaient des Indes, de l'Afrique, de l'Arabie, de la Chine. Ensuite, il voyageait à travers l'Europe de ville en ville, vendant ou échangeant ses marchandises au seigneur qui était prêt à lui donner à peu près n'importe quoi pour obtenir ses produits de luxe. Ainsi, quand il revenait à Venise avec les biens qu'il avait acquis des seigneurs, il était encore plus riche qu'avant. Ce qui signifie qu'il avait encore plus de capital pour acheter toujours plus de produits. Et cela continuait ainsi. Le marchand achetant et vendant toujours plus. Et son capital augmentait, augmentait, augmentait. Eh oui, c'est moi. Je suis un capitaliste. Les capitalistes de Venise continuèrent donc à faire de plus en plus de profits. Mais pour se protéger, ils interdirent à quiconque d'autre qu'eux de faire du commerce avec les marchands arabes. Toi, le Portugais disparaît. C'est nous qui faisons le commerce avec les Arabes, pas vous. Mais ne pouvons-nous acheter juste quelques petites choses des Arabes? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, hein? Non, vous n'avez pas le droit. Il doit bien y avoir un moyen de se procurer toutes ces belles marchandises exotiques. Tu ne crois pas? Oh, j'ai une idée! Nous allons trouver la route par mer jusqu'aux Indes et en Chine et faire des affaires directement avec ces gens-là, sans nous occuper de Venise. Tu es fou! Jamais personne n'a fait cela. Ce serait un voyage beaucoup trop dangereux. Aucune importance, le problème n'est pas là. Il est de trouver par qui nous pouvons faire payer ce voyage. Payer? Ah, ça n'est pas un problème. Je le sais bien, moi, qui peut payer pour un tel voyage. Je le sais, je le sais, je le sais. Le lendemain, à la cour du roi Manuel le Fortuné... Votre illustre majesté,
Si votre grandeur voulait bien nous donner assez d'argent pour deux bateaux et un peu d'or et quelque chose à échanger, nous pourrions apporter des richesses dont votre majesté n'a même jamais rêvé. De l'or, des bateaux, eh bien... Cela pourrait être une aventure profitable, oui. Vous avez besoin de combien? Oh, regardez-moi tout cet or, regardez. Pris aux paysans et aux artisans. Car le roi, voyez-vous, possède lui aussi des terres. Qui est le capitaine? Vasco? C'est Vasco de Gama. On dit que tous les membres de l'équipage sont des prisonniers libérés exprès pour ce voyage. Oh, bien facile de les libérer quand on sait qu'ils ne reviendront jamais.